confinement, les cours de sport en ligne font de plus en plus d'adeptes. Hier, Marine L'Orphelin a donné un cours de fitness en live. Malgré son emploi du temps chargé, le sport occupe une place importante dans la vie de l'ancienne Miss France, Célia Barotte. Faire du sport un dimanche matin, c'est bien, mais avec Marine L'Orphelin, c'est encore mieux. L'ex-Miss France a relevé le défi d'animer pour la première fois une séance de sport. Accompagnée d'une coach professionnelle, Marine L'Orphelin a partagé sa passion, son énergie et surtout ses efforts avec sa communauté de fans. Sportive dans l'âme, oui, je dirais, parce que j'ai toujours fait du sport. Même si j'ai arrêté un petit peu quand même pendant mes études de médecine, quand mon planning était vraiment, vraiment trop chargé. Mais voilà, j'ai besoin du sport, ça fait partie de moi et je me sens mieux quand j'ai ma routine sportive. Au programme, une séance de cardio accessible à tous et retransmise en live sur Internet. De quoi continuer les bonnes habitudes prises lors du confinement en faisant du sport à la maison et avec sa star préférée. J'adore cette interaction qu'on peut avoir avec les gens qui me suivent ou même des gens qui ne me connaissent pas forcément mais du coup qui me rencontrent et ça permet de partager un moment convivial, de transpirer tous ensemble. Gainage, montée de genoux, exercice d'abdominaux. Malgré l'effort intense, pendant une heure, Marine L'Orphelin a su motiver ses troupes et toujours avec le sourire. C'était super, en plus c'est une Miss que j'adore, donc c'est doublement sympa. Mais c'est vrai que j'apprécie beaucoup cette femme et ça fait plaisir de la voir en vrai et puis s'impliquer autant que nous en plus. Hein, je voyais qu'elle était autant fatiguée que nous. Bilan de la séance, 500 personnes connectées, une quarantaine présentes dans la salle et une Miss France 2013 en forme pour sa journée. Cette séance s'est très bien passée, on a vraiment transpiré. Là, pour le coup, c'était une vraie séance de cardio. J'ai tout donné, donc franchement, là, je me sens bien. Programmé comme le nouveau rendez-vous sportif à ne pas manquer, d'autres personnalités, dont une autre reine de beauté, sont attendues pour succéder à Marine L'Orphelin.